Alors, je souhaiterais là que tu nous donnes un peu ton point de vue sur le développement de l'axe économique, qui était un axe fort justement dans le projet Horizon 2020. Et toi, comment tu l'as vécu depuis 3 ans et demi? Pour devenir un grand club, il faut aussi qu'on ait des moyens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une structure en place qui est dirigée par Alexandre, que tu connais bien. Donc, cette structure aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de plus pour le club, dans la mesure où on a créé donc on va dire une association d'entreprises. Aujourd'hui, on a pratiquement 60 partenaires qui nous soutiennent. Et c'est réellement une manne financière qui n'est certainement pas négligeable, puisqu'aujourd'hui, ça nous permet quand même on va dire, de subvenir sereinement aux besoins du club et surtout aux besoins de la formation des plus jeunes, puisque bon, il est évident que le club ne fonctionne qu'avec de la formation. Et la formation des plus jeunes, c'est forcément aussi des compétences à mettre en place. Et les compétences à mettre en place, parfois, ça a un coût, puisque bon, on est obligé de former aussi les personnels qui sont sur les jeunes. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai que le fait d'avoir des partenaires qui nous soutiennent et qui soutiennent justement l'ensemble de l'aspect handballistique sur Rouen, aujourd'hui, c'est réellement quelque chose de positif. Et je pense que sans l'apport de nos partenaires, qu'on doit remercier évidemment, puisqu'ils sont toujours présents, ils nous suivent, ils assistent à un grand nombre de matchs. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des partenaires fonctionne. On dit toujours que c'est un petit peu donnant-donnant, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de positif qui se dégage aussi bien chez les partenaires que dans le club. Et bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a réussi à fédérer pas mal de choses et je pense qu'aujourd'hui c'est un plus pour le club. Le club des partenaires qui était en fait dans le giron du Rouen Handball va se créer en association. Donc c'est une chose que nous avions évoquée il y a plusieurs mois déjà. L'idée étant dans cette association que les partenaires puissent dynamiser leur relationnel entre eux et sans être entre guillemets obligé de passer par le Rouen Handball. Donc ça veut dire que ça va générer plus de contacts et probablement plus de business après. Et l'autre point, ça permettra au Rouen Handball et donc à la cellule communication partenariat de mieux travailler sur justement leur engagement au niveau de la partie sponsoring. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aider nos partenaires à mieux exploiter l'investissement qu'ils donnent pour le club, pour eux-mêmes, pour leur image, pour leur notoriété. Donc c'est doublement gagnant et cette association sera créée avant la fin de l'année.